Bonjour tout le monde, bonjour tous les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Permettez-moi de partager le direct et puis je vais commencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. J'ai fini mon partage. Je vais commencer dans pas longtemps. Partagez, partagez, partagez. Partager un maximum de partage. On dit le direct se bloque. Sois béni mon fils Élisée. Vous me bloquez toutes les personnes qui mettent des mauvais commentaires. Bon, on va arrêter la musique, hein. On va arrêter la musique, on va commencer. Je retourne sur Facebook ici. Je vais carrément aller sur la page. Comme ça, s'il y a des malfrats, je peux les bloquer moi-même. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Ça fait quelques jours que je me suis mis un peu en repos parce que je ne comprends pas le comportement des Ivoiriens. Et je me mets en silencieux. Je ne comprends pas le comportement des Ivoiriens. En fait, voilà, ça, tout de suite, là, ça vient de sonner plein, 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 plein. J'ai remarqué que tout ce que les Ivoiriens savent faire en ce moment, c'est envoyer des messages par Messenger. Envoyer des messages par Messenger. Oui, il y a eu ça. Kakabé a chié hier. Avant-hier, il y a Alassane qui a fait diarrhée. L'autre jour là c'est Soro qui a pissé, l'autre jour encore c'est lui là qui a chié. Bon, moi j'ai l'impression que les Ivoiriens c'est ce qu'ils savent faire en ce moment, hein. Le combat des Ivoiriens c'est sur Facebook. Le combat, la lutte des Ivoiriens c'est sur Facebook. Envoyer des messages sur WhatsApp. Oui. On a vu ça aujourd'hui. On a découvert le virement qu'ils ont fait à Kakabé. Soro a dit ceci. Alassane a dit cela. Bédier même avait dit cela. Il y avait eu ça. Ils ont envoyé le conteneur des armes à l'ouest. Les gens sont rentrés en brousse. Les gens... Ils ont commencé à découper des gens. Ivoirien est devenu, on dirait, journaliste. Ivoirien est devenu journaliste, colporteur de nouvelles. Colporteur de nouvelles. L'Ivoirien est devenu mazo. C'est même pas mazo, hein. C'est au-delà de mazo. Ça veut dire que Mazo, là, son terminus, là, c'est devenu ivoirien.
Mais tu regardes sur Facebook, tu es là, tu es assis tranquille chez toi, on t'envoie un message, ils ont vu virement de KKB, c'est que les RHDP lui envoient. Et puis qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous tous on sait que KKB a été payé. Je remercie Dieu pour affinger ça. Je remercie Dieu pour affinger ça, il a pris conscience. Je remercie Dieu pour affinger ça, il a pris conscience. On dit que Gbagbo va, ils ont dit que l'Union africaine, Gbagbo doit être dans la liste des candidats. KKB a fait ça. Alassane a fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a eu ça. À l'ouest, là, ils ont découpé déjà. Ils sont rentrés en brousse. Ah, les bêtés, là, on les a poursuivis. Ils sont rentrés en brousse. Ils ont pris machette contre eux. Voilà le combat et le comportement des Ivoiriens. En temps de crise, quelle honte. Les Ivoiriens sont devenus comme des agoutis dans la brousse. Agoutis. Ils sont devenus comme des gros agoutis, des rats dans la brousse. Quand ils voient le chasseur, ils courent pour se cacher. On attrape un, deux, trois dedans. Et puis on va le braiser pour faire sauce gumbe, pour manger. Moi, j'ai honte de vous. Moi, je ne voulais même plus faire direct sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Là. Parce que je me dis, mais tu es là, tu parles. Quel direct tu n'as pas encore fait? Quel direct on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Qu'est-ce qu'on vous, on vous a pas prévenu sur quoi? Qu'est-ce que moi-même qui suis assis là, je ne vous ai pas dit? Je vous ai dit que ils vont payer des... Oh, ça m'énerve même. Je ne sais même pas comment je vais parler. On vous a dit qu'il y a des mercenaires dans le pays. On vous a dit qu'ils vont habiller des microbes pour faire du mal. On vous a dit que Alassane veut transformer l'histoire politique en une histoire de combat religieux. C'est-à-dire qu'il va dire aux musulmans que les chrétiens sont contre eux, donc ceci, cela. On vous a... Tout ce que vous êtes en train d'envoyer comme message dans mon inbox là, matin, midi, soir là, qu'est-ce que moi, je ne vous ai pas encore dit? Qu'est-ce que je n'ai pas encore révélé? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Vous êtes des masos. Des sadomasos peureux. Vous êtes assis dans votre pays. C'est vous-même qui donnez des terrains. Partagez mon direct, hein. Par là, là, c'est Genzeli, même à 400%. À 400%. On vous donne des terrains à des étrangers dans vos villages. Ils sont assis dans vos villages. Vous les avez donné terrain. Ils ont fait plantation. Ils ont construit maison. Et aujourd'hui, ils se lèvent, ils prennent machette contre vous. Vous-même, vous avez machette chez vous à la maison. Vous partez au champ avec machette. Et puis, vous courez pour entrer en brousse. Et puis vous croyez que les gens vont vous respecter. On vous a dit fermez vos villages, fermez les entrées, fermez les sorties. Vous connaissez tous ceux qui sont dans vos villes, dans vos villages. Mais on va vous dire quoi encore? Vous attendez qui même? Emmanuel Macron. Vous attendez qui? Donald Trump. Vous attendez qui même? Vous attendez qui? Jésus-Christ. Vous voulez que Jésus-Christ descende en Côte d'Ivoire pour vous délivrer. Mais vous êtes mal barré. Jésus n'a pas, il n'a rien à foutre avec vos bordels. Même le peuple Israël, ils se sont défendus et puis Dieu les a défendus. Le peuple Israël, ils ont eu des problèmes plus que la Côte d'Ivoire. Ils se sont défendus et puis Dieu les a défendus. Mais vous là, vous êtes là, tout ce que vous savez faire, c'est courir. Cachés, se mettre là pour avoir des photos. Aujourd'hui, ils ont marketé. Donc, toi là, on est en train de blesser, de marketer un de tes frères ivoiriens. Tous les autres ivoiriens qui sont à côté, qui prennent photo là, ils sont où?
Vous ne pouvez pas vous lever pour aller défendre votre frère. Et vous êtes là, nous envoyez des messages. On va faire quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a d'autres mains, ils m'envoient un message. Hey, homme de Dieu, il faut prier pour nous. Il faut prier pour la nation. Attends, et bien m'assois même. Il faut prier pour la nation. Vraiment, on souffre. On a besoin de d'aide. On souffre pour la nation. Ils vont nous tuer tous. Je dis, tu crois qu'il n'y a rien à faire? Toi, tu crois qu'il n'y a rien à faire quoi? Dieu, là, il m'a appelé, il m'a dit, ta mission, c'est de prier matin, midi, soir, pour la Côte d'Ivoire. Pour prier pour des gens qui sont peureux. Des gens qui les donnent des conseils, ils n'écoutent pas. Un peuple entier. Des étrangers sont en train de rentrer matin, midi, soir chez vous. Pour vous marketer, pour vous chasser dans vos villages, dans vos villes. Vous êtes assis. Vous attendez Jésus-Christ. L'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant. Tu crois que Dieu n'a rien à faire? C'est toi seul qui es dans le monde. Hein? C'est toi seul qui es dans le monde. Dieu n'a rien à faire. Toi, tu crois que Dieu n'a rien à faire? Hein? Dieu, là, il n'a rien à faire, quoi. C'est Côte d'Ivoire seul qui est marqué au ciel. C'est marqué Côte d'Ivoire. Vous avez quel problème? Nous tous, nous savons que Dramane Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Il n'est pas ivoirien. Son père Burkinabé, sa mère Burkinabé. La femme qui l'a dit que c'est sa mère, là, c'est pas sa mère. Nous savons tout ça. C'est fausse carte dentée. Jusqu'à un moment, on a fait passeport pour lui gratuit. Mettez-moi des cœurs et quittez ici. Moi, je ne suis pas dans vos conneries, là. Nous tous, nous savons que le monsieur, on lui a donné 10 ans. Mettez-moi des cœurs. On lui a donné 10 ans. Il ne nous a rien prouvé. À part mettre nos frères en prison. À part pour chasser. Même les frères du Nord, il a tenté les blaguer. Pour dire que c'est pour les gens du Nord, c'est pour les musulmans. Il les a mis en prison. Il les a chassés. Il n'a rien fait pour eux. Nous savons que le monsieur n'est pas un monsieur de paix. Vous êtes dans votre pays. Le pays vous appartient. Mais vous attendez quoi pour vous lever? À part baiser, boire, danser, les bêter là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est que des bêtes, Bonneau a prouvé à toute la Côte d'Ivoire qu'ils sont garçons. On les a menacés, on les a attaqués, vu qu'on a envoyé des blindés chez eux. Bonneau est resté debout. Mais vous là, des bêtés, je suis garçon. Moi, je suis bêté. Si tu m'as touché, je suis garçon. Après, c'est pour fuir, on dirait à Gouti dans la forêt. Et moi, je vous parle aujourd'hui. Je vous guésais. Vous attendez qui? C'est vous-même là qui avez été traite contre Gbagbo là. Vous voulez quoi? Vous croyez que chaque matin, vous disons, vous s'asseoir ici à la Sani. On n'a rien à faire. À la Sani, le Saint-Esprit de quelqu'un ici. À la Sani, le Saint-Esprit de quelqu'un ici. Il est Jésus-Christ de qui? Il est maman de qui? Hein? C'est à quoi ça, il n'a pas porté lunettes. Vous allez bien voir mes yeux quand je vous parle aujourd'hui. Ah, ça là, il est Saint-Esprit de qui? Maman, il ne voulait plus faire direct. Il ne voulait plus parler dans votre affaire. Il a dit, elle est laissée. Donc, qu'à faire ce qu'il veut maintenant. On n'a qu'à les découper, les tuer. On n'a qu'à les marketer.
Comme ça, ils vont comprendre qu'il y a quand les gens viennent parler pour eux, là, c'est pour leur bien. Déjà même, là, on vous dit, on va faire chaîne de télé. Même, je devais faire direct de prière hier. Je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que même les chrétiens sont des malots. Tu as assis matin, midi, soir, tu es en train d'envoyer onction, délivrance, guérison. Si c'est pour t'envoyer les témoignages sur WhatsApp, là, ils sont pleins comme ça. On dit soutenez pour chaîne de télé. Il y a 5 personnes. J'ai des milliers de personnes qui me suivent. 5 personnes seulement qui se lèvent pour dire je vais soutenir la chaîne de télé. On a acheté 2 éléments, 3 éléments. On n'a pas encore acheté le reste. Et ils sont là. Il faut venir t'asseoir chaque matin, tu vas prier pour nous. Il faut venir t'asseoir chaque soir, tu vas prier pour vous. Vous croyez que moi, là, quand ma maman m'a mis au monde, elle a marqué sur mon front esclave. Hein? Quand ma mère m'a mis au monde, elle a marqué con. Elle a marqué tu es bête sur ma tête. Il y a d'autres, mais ils vont voir des pasteurs. Le pasteur dit avant qu'il prie pour toi, tu me donnes 1 million, 500 millions, et ceci, cela. Un homme assis matin, midi, soir, attend de vous livrer la grâce, l'onction, lutter pour votre pays, faire des trucs. Tous, vous ne savez rien faire. On vous dit, on veut créer une chaîne de télé pour pouvoir bien amener le message qu'il faut. Soutenez la diaspora, chrétien, et puis moi, je m'assois matin, midi, soir pour vous apporter la parole. Demain, si Dieu veut faire un direct de prière, et puis quand il fait là, peut-être qu'il fait direct une seule fois dans la semaine, ou même il est passé 2 semaines sans faire direct. Je vais m'occuper de mes activités, de ma famille, de mes, ce que j'ai à faire. Parce que les Ivoiriens sont des ingrats. Les Ivoiriens, ils ont bouche. Les Ivoiriens sont les plus malots de la terre. C'est moi, mais je parle aujourd'hui. C'est à quoi ça, Alassane, est sur votre tête? C'est à cause de ça, là. Dieu a pris le démon là, pour déposer sur votre tête. Tellement votre cœur est vilain. Oui, vous dites ça. Il dit, je vous guérisse, non. Et j'ai dit, hein, hier, j'ai fait direct des prières. Ils étaient assis chez eux. Ils m'attendaient à leur téléphone. Le bishop va faire direct. Bishop là, lui, il ne dort pas, quoi. Lui, il ne se repose pas. Bishop là, vous croyez que Dieu vient puis met énergie dans son cerveau. Bishop, lève-toi, il faut faire direct. Je suis fatigué de vous. Je suis fatigué des Ivoiriens. Méchants, hypocrites, menteurs, peureux. La plupart. C'est vous-même qui êtes allé prendre votre Alassane, vous l'avez déposé. Vous l'avez acclamé. Vous l'avez positionné. D'autres même ont mangé avec lui. D'autres ont bu avec lui. D'autres ont signé contrat avec lui. C'est vous qui avez envoyé votre problème. Et aujourd'hui là, nous on n'était pas là quand vous avez fait vos trucs là. C'est nous on est en train de crier matin et soir. Vous croyez que moi là, je suis là quand on insulte ma maman là, ça me fait pas mal quoi. Vous croyez que moi, je bois goudron quoi. Quand on m'insulte, on me traite de ceci, cela. Je dis, vous croyez qu'il y a des gens qui sont nés chiens pour vous. Ils sont nés esclaves pour vous. Et ils doivent lutter pour vous. On vous dit, il y a même des enfants qui marchent. Il y a des enfants qui font des barrages. Soutenez-les. Soutenez les enfants de cœur. Faites ceci. Ouais, ceci. On ne voit même pas où est où. 5 francs, on ne voit pas pour ces enfants. Il y a chaîne de télé. On veut ouvrir la chaîne de télé pour bien faire les directs. Soutenez. Où est où? Tout ce que vous savez faire, c'est rentrer en brousse. Moi, ce que j'aime là, c'est les bêtés. J'aime trop les bêtés. En tout cas, s'il y a des bêtés qui m'écoutent ici, s'ils veulent, n'ont qu'à se fâcher. Moi, je m'en fous. Parlez-vous là. Vous êtes garçon dans la bouche. Vous êtes dans votre village. Des étrangers prennent machette contre vous. Et puis, dans votre propre village là, on déshabille un de vos enfants. On le promet. Mettez-moi mes cœurs. Mettez-moi mes cœurs. Mettez mes cœurs. Celui qui n'a pas mis cœur ici là, c'est un sorcier. Mettez cœur. Hein? Dans votre village, on déshabille un de vos enfants. On le promène dans le village à poil. Vous partez vous cacher sous vos lits. On prend machette. On découvre vos frères. Vous courez, vous rentrez en brousse. Machette, là, il n'y aura pas chez vous aussi.
Vous croyez que c'est dans ça là vous allez vous en sortir. Quand Dieu même l'a mis dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, vous croyez qu'il a mis ça pourquoi? Ça veut dire que quand ça ne va pas là, il faut te défendre, cousin. Il faut te défendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te défendre dans certaines situations. Si tu crois que les gens vont prendre avion de Paris, des États-Unis, ou bien d'Abidjan pour descendre à ton village avec machette pour aller te défendre là, c'est toi tu vas mourir pour rien. Personne ne va faire ça. Ma mère n'allait pas prendre avion pour aller lutter avec machette pour toi. Hein. Jamais. On vous a prévenu. Fermez vos villages. Faites attention. J'ai dit, vous avez un maire dans votre ville. On vous découpe. On vous tue. Le maire est complice. Le maire ne dit rien. Il est complice. Vous attendez quoi? Maire là, vous ne connaissez pas sa maison. Vous ne connaissez pas la mairie. Allez-y, mais cassez la mairie là-bas. Frappez le maire. Cassez sa maison. Chassez-le de chez vous. Tous ceux qui ont pris marché contre vous là, vous connaissez le quartier. Vous tous, vous levez, vous partez mettre le feu. Vous les tabassez, vous brûlez là-bas. Qui va venir frapper quelqu'un encore? Qui va prendre machette encore? Vous ne donnez pas de leçons aux gens. Les gens sont en train de vous tuer, vous découper, c'est en brousse, vous rentrez. Et puis vous venez vous asseoir sur Facebook. Tous les combats vous avez menés, c'est sur Facebook. Aujourd'hui, là, ils ont brûlé quelqu'un. Aujourd'hui, là, ils ont tabassé quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi, de ça? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vos messages, messenger, WhatsApp, vous envoyez matin, midi, soir. Kakabé, là, ils ont envoyé l'argent. J'ai reçu des messages, ils ont envoyé l'argent à Kakabé. Kakabé a reçu l'argent. Et puis après, il a pris, il a bouffé bien. Il est en train de faire ce pourquoi il a pris. Toi, tu fais quoi? Dans ton quartier, ton voisin prend machette et te découpe, tu te caches. Et puis, je m'adresse à mes frères musulmans là. C'est pas eux tous, parce qu'il y a des bons musulmans. Vous, les faux musulmans là, les faux imams là, qui êtes en train de rentrer dans fait de politique, Alassane est en train de vous blaguer. Et puis, vous allez dire à vos fidèles, à vos gens, de se lever pour aller tuer des êtres humains. Des Ivoiriens pour Alassane. Vous êtes en train de détruire votre destinée. Parce que Alassane là, Wallahi Bilaï, vous voulez pas. Alassane ne peut plus régir ce pays. Donc vous là, vous êtes en train de mettre l'islam en danger. Vous êtes en train de mettre la vie de nos frères du Nord en danger. Vous êtes des criminels. Vous n'êtes pas des vrais croyants. Des imams qui lancent des appels pour dire allez-y défendre Alassane parce que si vous ne partez pas, si Alassane n'est plus là, qui t'a dit qu'Alassane est musulman? Qui t'a dit même qu'il est du Nord? Qui t'a dit même qu'il est ivoirien? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Voilà. Qui t'a dit ça? Quelqu'un t'a dit qu'Alassane est ivoirien? Alassane même, il dort, il se lève, il respire, il sait qu'il est burkinabé à 400%, à 500%. Lui-même, il sait ça. C'est pourquoi il n'aime pas les Ivoiriens. Un président qui est ivoirien, là, il ne va jamais dire aux gens, allez-y tuer d'autres. Il va donner des messages de paix. Des messages de réconciliation. Même c'est chaud comment il va se lever. Il va dire, chers Ivoiriens, unissons-nous. Ne nous entretuons pas. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais Alassane ne s'est pas dit ça. Hein. On va les mater. On va les tuer. On va les localiser. Il fait rentrer des mercenaires. Il y a des immigrés, comment on les appelle, mais des réfugiés qui sont rentrés. Quel réfugié qui est rentré? Ils sont pleins à Paris, ici, à Abidjan, aux États-Unis, partout. C'est qui est rentré? Tu as pris des Maliens, tu as pris des Sénégalais, tu as pris tous les étrangers que tu pouvais payer pour rentrer au pays, pour tuer nos frères. Tu viens nous dire,
J'ai fait rentrer, laissé rentrer des immigrés, comme on appelle ça, des réfugiés. Toi, tu as fait rentrer qui? Les vrais réfugiés ivoiriens, on les connaît. Mes administrateurs, là, bloquez-moi les têtes de mort, là. Les batradins qui mettent les têtes de mort, là. Bloquez-les même. Supprimez-les. Envoyez-les à l'enfer, les fils de Satan, les buveurs de sang. Vous qui dites que vous êtes ivoirien, moi je ne comprends pas. Dans l'armée, là, il n'y a pas ivoirien. Dans la police, il n'y a pas ivoirien. Dans la gendarmerie, il n'y a pas ivoirien. Dans tous les corps habillés, il n'y a pas ivoirien. On tue vos frères, on découpe vos frères, on fait quoi? On ne vous voit pas, on n'entend pas parler de vous. Vous êtes devenu quoi? Mazo! Vous êtes devenu, vous êtes envoûté à 400 à l'heure ou quoi? C'est quel pays ça même? Mais j'en ai marre de voir vos messages à la con. Vos messages sur Messenger, vos messages à la con. Ne m'envoyez plus vos messages. Ne m'envoyez plus vos messages. Ne m'envoyez plus ça sur WhatsApp, sur Messenger. Je n'ai pas besoin de ces messages. Ces messages bizarres. Ils ont découpé des gens ici aujourd'hui. Oh. Ils ont tué des gens. Et puis après, de faire quoi? De faire quoi? De prendre machette pour vous donner aussi, vous allez vous défendre. Hein? Ou bien de venir m'asseoir matin, midi, soir pour parler pour vous. Vous me payez combien? Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Je suis en France ici, là. Vous croyez que je n'ai rien d'autre à faire? Je n'ai pas une vie, je n'ai pas une famille. Je n'ai pas un ministère. J'ai un cabinet à gérer. On prend le temps pour vous, on s'assoit, on gaspille son énergie, son temps, sa santé, son argent pour les connexions. On vous donne des messages, on vous prévient depuis 2016. On vous prévient, on vous prévient, on vous prévient. Vous êtes l'endroit des moutons. Tout ce qu'on vous dit là, ça rentre, ça s'assoit, c'est tout ce que vous connaissez là. C'est dans ce coupé décalé, bois, bière. Baiser les petites filles, d'autres même sont devenus pédés, on va les baiser aussi dans les fesses. Comment ils vous parlent aujourd'hui? Ils vous parlent aujourd'hui. Et puis vous venez vous asseoir pour dire oui, c'est rentré, c'est sorti ici. Comment dans un village à l'ouest, vous recevez des gens, vous leur donnez des terres, vous leur donnez des plantations. Ils font des plantations, tout. Et puis les mêmes personnes se lèvent, vous les connaissez. Ils prennent machette. Ils attrapent un d'entre vous, ils le découpent. Ils prennent l'autre, ils le découpent. Et vous autres là, vous êtes où? C'est pas votre village? Vous attendez quoi pour les chasser? Vous attendez quoi pour vous révolter? Ça, c'est qui va faire ça pour vous? C'est qui va faire ça pour vous? Vous croyez que c'est dans la fête des ténèbres des armées? Dieu, pardon, Seigneur, protège-nous. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. C'est ça là qui va vous délivrer. Dieu n'a rien à faire ou quoi? Allez-y demander aux Juifs. Allez-y demander aux Juifs. Allez-y demander aux Juifs. Ils ont souffert plus que vous. Ils se sont défendus. Toi, tu connais la Bible plus que les Juifs. Tu connais Dieu plus que les Juifs. Tu crois que si le peuple juif ne s'est pas défendu, il sera là aujourd'hui? Hein? Vous ne vous défendez pas. Je ne comprends pas une chose. Il y a des responsables de partis politiques. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a des membres dans les partis politiques. La Côte d'Ivoire, 66 ethnies. Il y a un seul monsieur. Il s'appelle Dramane Alassane. Lui seul, il traumatise tous les partis politiques, toutes les religions, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont à genoux accroupis. Une seule personne, même Dieu lui-même là. Les Ivoiriens ne l'ont jamais adoré de cette manière. Une seule personne. Et puis vous là, qui êtes dans les villages là, les sorciers là. Les sorciers qui sont dans les villages, dans nos villages, les sorciers là. Bande de cons. Vous les sorciers, bande de cons. Vous qui êtes toujours en train de verser boisson sur fétiche.
Vous qui vous envolez la nuit pour tuer vos enfants là. Quand vos enfants veulent le réussir dans les villages là, vous tuez, il va devenir docteur, vous le tuez, il va devenir ministre, vous le tuez. Il est à l'étranger, il a fait des études, il doit évoluer, vous le tuez. Bande de cons, salopards. Vous n'êtes pas content, envolez-vous et puis venez me voir. Je vais détruire votre avion là, vous n'allez plus retourner en arrière. Bande de cons. Des sorciers, vieux sorciers qui sont dans les villages, qui tuent les gens seulement là. Donc votre fétiche là, votre sorcellerie là, ça ne m'est pas à la salle quoi. Et une bonne question maintenant, répondez-moi. Votre sorcellerie là, c'est pour tuer vos enfants. Votre sorcellerie, c'est pour empêcher que dans le village, il y ait des cadres. Il y ait des gens qui évoluent. On ne peut pas faire goudron dans le village, on ne peut pas faire ceci. Votre sorcellerie là, c'est pour tuer vos propres enfants. Hein. Quelqu'un assis sur vous, il maltraite tout le pays entier. Votre fétiche, votre sorcellerie là, on ne voit plus. Hein. Bande de cons. Et moi, je vous dis ça. Je n'ai pas peur de vos fétiches. Je vous dis ça, Pierre. Vous êtes des bandes de cons, des malfrats. À part boire sang de vos enfants. On dit Alassane a envoûté la Côte d'Ivoire. Donc vous, vos fétiches là, il n'est pas fort. Hein. Oh, oh, des malfrats comme ça. Toujours en train de tuer. Ah, il y a un jeune qui devait être cadre dans le village, il est mort. Il y a un jeune qui devait être ministre, il est mort. Et il y a un jeune là, il était en Europe, il a fini ses études, il est mort. Vous vous envolez pour aller en France, aux États-Unis, au Canada, pour aller tuer vos propres enfants. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut réussir, il veut construire une maison nette, vous le tuez. Il veut construire un hôpital, vous le tuez. Il veut devenir une personnalité, vous détruisez les familles. Mais votre fétiche là, ça ne peut pas toucher à la salle. Tous les fétiches, les 66. Oh my God. 66 ethnies. Tous les villages là où il y a des fétiches. Vous faites combien? Vous tombez en train. Vous caolez sur vous. Vous versez des sacrifices. Vous faites sacrifices humains. Ou bien je ne sais pas quoi sur vos fétiches là. Vos fétiches ont peur d'Alassane. C'est vos enfants, vous savez tuer. Pourquoi on ne fait pas fétiche pour tuer le monsieur là maintenant? C'est nos enfants là, nos frères et soeurs, vous savez tuer avec vos fétiches. Bande de cons. Je dis ça à tous les féticheurs de tous les villages, tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, les féticheurs, les sorciers, ceux qui font sacrifice sur les fétiches, ceux qui dansent les combien, vous tous, votre bande de cons. C'est moi qui vous ai parlé. Je m'appelle Atia Normal. Ouais. Je n'ai pas peur de vous. Je vous ai parlé. Celui qui est garçon, il n'a qu'à monter dans son avion, il va venir. Je l'attends. C'est moi qui vous ai dit ça. Des menteurs comme ça, là. Les jeunes filles ne peuvent pas se marier dans vos villages. On ne peut pas construire une maison. On ne peut rien faire. Dans vos villages, il n'y a pas courant. Il n'y a pas cadre. Il n'y a rien. On ne peut pas évoluer dans... Quand quelqu'un veut réussir net, il meurt. Quand quelqu'un veut réussir net, il meurt. Alassane est là, lui seul. Son petit fétiche, il a dans la main. Là. Lui, son petit fétiche, ça gouverne toute la Côte d'Ivoire. Vous tremblez comme ça. Bande de cons. Chien pourri, menteur, sorcier de merde. Il vous chie la diarrhée dans votre bouche. C'est moi qui dit ça. Il dit, je vais 15 heures. Je me suis levé là, il dit, c'est là, il me fatigue. Je vais 15 heures. Tous les messages m'envoient bizarre, ils ont brûlé lui là, ils ont attaqué lui là, ils sont allés dans le village. Il dit, je vais les parler, comme ça ils vont me laisser tranquille un peu. Ça c'est direct, c'est pour me laisser tranquille, mais oubliez moi-même. Vous croyez que je suis votre sauveur ou bien? Moi je ne m'appelle pas Jésus-Christ. Hein. De la manière dont il parle, est-ce que Jésus a parlé comme ça? Jésus a insulté quelqu'un. Moi je ne suis pas Jésus. Hein. Yeah! Je ne suis pas Jésus. Moi et puis Jésus, là, on lutte le paradis. Chaque jour, je lutte à lui. Il n'a qu'à me laisser rentrer là-bas. Je ne suis pas Jésus. N'importe quoi. En tout cas, je suis venu juste pour vous parler. Je ne suis même pas venu faire un direct pour dire, ouais, ils sont en train de tuer des gens à l'ouest. S'il vous plaît, protégez nos frères de l'ouest. Ils ont découpé des gens, ils sont rentrés en brousse, courir après eux, attraper les comme des agoutis, entretenir les,
La fois passée, ils ont envoyé des conteneurs dans tel endroit de la Côte d'Ivoire. On attend que vous allez vérifier pour voir dans le conteneur qu'est-ce qu'il a. Il y a des autorités dans le pays qui sont complices. Vous attendez que dans chaque jour, chaque matin, chaque soir, on va venir s'asseoir pour raconter votre vie. Pour raconter votre vie. Des garçons gaïa-gaïa, musclés plus que moi là. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est baiser, enceinte les petites filles. Tu n'as pas de travail, tu as au moins 5 enfants, 6 enfants. Tu as 2 copines, tu as 3 copines, tu as 3 femmes. Jusqu'à même, tu vas chez les gangues aussi. Ouais. Tout ce que tu sais faire, c'est on te voit d'en bas, grosse bière devant toi, et tu es à couper, à décaler, à goudou, à couper, ou bien à l'ouest là, les bêtes là, un peu de bon, c'est ça là, vous savez faire. C'est tout ce que vous savez faire. Mais là, quand on prend ma chaise en brousse, vous rentrez. Ton digba là, t'as mis où? Ton digba là, ça est où? Dans ton propre village, on attrape ton frère, on le déshabille, on le patra, on le découpe. Toi, tu rentres en brousse. Toi, tu es l'homme. Restez là. Attendez Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que si Jésus ne vient pas, Mahomet va venir. Si Mahomet ne vient pas, moi, je ne sais pas qui va venir. Peut-être qu'il y a Élie qui va venir après. Bon, je ne sais pas si Élie n'est pas fatigué. Si Élie n'est pas fatigué, peut-être qu'il va envoyer Élisée s'il est fatigué. Bon. Après, on ne sait pas, ils sont beaucoup au ciel. Hein. Il y a Abraham, il y a Moïse, même il est là-bas aussi. Moïse. Ouais. Même Jonas, il est là-bas. Ils sont tous là-bas. Hein. Bon, je ne sais pas qui va se lever. Peut-être qu'il y a un qui va avoir le courage, il va venir en Côte d'Ivoire pour vous. Hein. Il va vous dire, oh, bonjour les Ivoiriens, je suis Élie. Donc, je suis venu vous délivrer. J'ai fait descendre le feu du ciel. Non, non, je crois que c'est Moïse qui va venir. Moïse. Ouais. Mais Moïse, lui, il aime ça. Moïse, il aime les Nyanga comme ça. Il va venir avec un bâton. Lui, qui est chaud ici? Qui est chaud? J'ai mon bâton. Je vais ouvrir la mer. C'est qui? C'est qui est chaud? Moïse va venir. Donc Moïse n'a rien à faire au ciel là. Ça, il ne veut pas se reposer, quoi, au paradis là. Il va venir avec un bâton. Il va venir délivrer les bêtés. Il va délivrer l'ouest. Il va délivrer le truc. On va dire Moïse, 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 Moïse. Restez là. Restez là. Attendez Moïse. Attendez Élie. Attendez Élisée. Attendez-les. Ils ont commencé à arranger les affaires, ils arrivent. J'ai eu Élie au téléphone hier. Il m'a dit, il arrive. Il dit, faut dire aux Ivoiriens, j'arrive. Ils n'ont qu'à bien arranger les affaires. Les trucs, j'arrive. Faut leur dire, faut même pas, ils vont se défendre même. Moi, Élie, mais j'arrive. L'Éternel des armées. Il faut nous envoyer des anges. Les anges n'ont qu'à descendre avec une épée foudroyante. Ils n'ont qu'à fracasser, fracasser, fracasser tout le monde. Oh Seigneur, rabatabatabatabata, boum, boum, boum. Seigneur, oh, Seigneur, défends-nous. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, c'est vous qui avez créé la Bible. Là. Jésus, là, tu as dit la vie de tes yeux. Il dit, oh, quand il mourait sur la croix, tu étais là-bas aussi. Quand il est sorti, là, tu l'as vu. Non, c'est des questions. C'est des questions. Moi, des fois, j'ai envie de poser des questions pour avoir des réponses. J'ai dit, oh, à Gogota, là, tu étais là-bas. Tu as vu Jésus. Donc, toi, tu es petit-fils de Moïse, quoi. Tu es petit-fils d'Élisée. Moi-même, j'ai appris que l'Ouest, là, j'ai appris que l'Ouest, là, c'est les descendants des Juifs. C'est un vieux pasteur qui est en train de marcher à les mamailleurs dans 2 jours, là. C'est lui qui avait fait un livre, même. Il a dit que l'Ouest est relié aux Juifs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est à cause ça fait froid là-bas, deux fois. Franchement, j'ai honte.
La Côte d'Ivoire est le seul peuple au monde en 2020 où des étrangers rentrent comme ils veulent. Ils viennent s'asseoir comme ils veulent. Ils prennent des machettes comme ils veulent. Ils tuent qui ils veulent. Ils attaquent qui ils veulent. Et puis il n'y a rien. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul pays où les gens savent parler. On va faire ça. Tu vas voir, cette fois-ci, là, ça ne va pas rentrer ici. Ça ne va pas sortir ici. Facebook, à la salle, a fait ça aujourd'hui. Oh. Il y a affairage. On dit que Kakabe a reçu l'argent. Blegoudé, il avait fait ça. Il avait fait ça. My God. Je vous dis une chose aujourd'hui là. Je vais bien vous dire ça. Ce n'est qu'à rentrer dans votre yokoli. Moi, en 1999, le Seigneur m'a dit quitte le pays. Il a quitté ce pays-là. Je suis venu en France. Il m'a donné une nationalité. Il m'a vu ici. Si vous ne voulez même pas mettre ma bouche dans votre affaire, mais pas. Ce n'est pas moi qui me poussais à ma chaîne. Est-ce que quelqu'un me poussait à ma chaîne ici? Il n'a qu'à essayer. C'est vous. Dieu nous a mis hors du pays pour que nos yeux soient ouverts, qu'on puisse parler pour vous. Mais tout ce qu'on vous dit là, ça rentre ici, ça sort ici. Jusqu'à il y a des Ivoiriens qui trompent leurs frères, il y a des Ivoiriens qui tuent leurs frères, il y a des Ivoiriens qui vont prendre l'argent pour vendre leurs frères. L'Ivoirien n'est pas soudé dans son combat. Il y a 1 million de partis politiques. Et il y a un seul parti politique qui les tue tous. Il y a 1 million et des milliards d'Ivoiriens. Et puis il y a une seule personne, il les battra tous. Il se lève comme ça, il les battra tous. Quand il y a des jeunes, des gens qui se lèvent, ils veulent marcher. Vous là, arrêtez ça. On veut la paix. Oh. Nous, on veut la paix au pays. Arrêtez ça. Ne faites pas, ils vont vous tuer pour rien. Arrêtez ça. Nous, on veut ça. Oh. Et pendant que on prend machette, on les découpe. Oh, c'est pas grave. Que Dieu vous protège. Que le Seigneur protège ton âme. Rip, 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 rip. Rip, 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 rip. Que Dieu te fortifie. Le seul peuple en 2020 là, qui fait ça, c'est les Ivoiriens. Tous les batras d'un des cylindres, les tete djougou, les ala djougou, les nyamoukodens, les tampiras qui sont sur mon direct. Parce que eux, ils vont lécher les testicules de Draman Alassane Ouattara qui viennent insulter, laisser des commentaires. Ah mon nien quoi? Je m'en fous de vous. Ivoiriens, fiers de l'être. Dans quel pays étranger va tuer les gens de ce pays? Vous êtes là. Oui, toi, quelqu'un, toi, oh mon, t'es né de tapa, kumba, kumba, pa. Je ne sais même pas dans quelle langue je te parle. Je dis, oh, toi, un étranger bâtard qui a quitté ton pays, qui a fui ton pays parce qu'il n'y a rien à manger là-bas. Tu manges poussière, tu dors dans poussière, tu te laves dans poussière. Et puis, tu as fui pour venir dans mon pays. Et puis tu es en train de tuer mes parents, tu crois que toi là, pour te parler là, je vais réfléchir. Je ne vais même pas réfléchir. Tu es minable. Quelqu'un qui renie son pays pour aller dans le pays des autres, pour tuer les autres. Toi tu es qui? Et puis tu vas laisser commentaire. Tous ceux qui laissent commentaire, qui parlent, vous êtes des bâtandres, des cylindres, des tete djougou, ala djougou, nyamougodin, des kisses, des biekisses, et des tampiris, 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 et des tampiris. Ouais, c'est bon, ça y est. Eh, monsieur, ça veut dire, j'ai tellement marié, même pas encore mangé. Ça veut dire que je vous parle pour creuser mon ventre, et puis elle mange après. Ouais. Ça, c'est mon apéro. Je suis en train de prendre comme ça. Je creuse mon ventre et puis après, je vais aller manger. Bah, vous faites que la faim, ça disparaît de moi. Je suis en train de maigrir. Je maigris comme ça. Là, il y a des trous qui ont commencé à venir dans mes joues. Je suis en train de maigrir à cause de vous. C'est quoi? C'est quel pays ça?
On vous donne délivrance, vous dites, oh, délivrance, là, faut laisser. On vous donne solution, oh, solution, là, faut laisser. On vous donne des moyens, oh non, ça, là, faut laisser. Et puis après, vous venez pleurer dans l'oreille des gens. Ouais, ils nous ont découpé ici, ils nous ont tué ici. Il y en a qui sont rentrés en brousse, des deux qui sont rentrés sous le lit. Et la fois passée, ils ont pris, et ils ont ils l'ont tué. Et je dis, oh, tu as pris photo, tu as filmé là. Pendant que tu prenais photo et puis tu filmais là, il n'y avait pas marché chez toi aussi. Après, c'est pour dire, toi, tu es un pasteur. Pourquoi tu parles comme ça? Tu es un pasteur. Un pasteur doit prôner la paix. Un pasteur doit dire toujours Amen. Alléluia. Quand on tue quelqu'un, il faut dire Amen. Quand on découpe les gens, il faut dire Amen. Votre pasteur comme ça, là, ce n'est pas moi. Oui. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a pris machette pour défendre son peuple. Élie était un grand prophète. Il a lutté pour son peuple. Moi, je ne suis pas vos pasteurs qui prennent enveloppe et puis qui ferment leur bouche. Tu es un pasteur. Tu n'es pas un vrai homme. Qui t'a dit même que je vais être homme de Dieu même? Tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Tu n'es pas un vrai... Je dis, oh, toi, ton jugement là, ça va enlever quoi dans mon onction? C'est que toi qui vas dire, tu es un pasteur, tu n'es pas un pasteur là. Ça va enlever quoi dans ce que Dieu m'a déjà donné? Rien. J'ai fini de guérir. Je prie pour quelqu'un tout de suite là. Il est délivré, il est guéri. Le témoignage même là, c'est puissant. Donc Dieu est avec moi. Et puis Dieu aime mon cœur. Parce que moi au moins je me bats pour la veuve, pour l'orphelin, pour celui qui souffre. Je ne suis pas là pour, ils vont me faire ça. Bon, ils n'ont qu'à me donner l'argent, je me tais. Je ne suis pas dans ça. T'es un passé. Essaye-moi, il t'a demandé même de venir prier pour toi-même. Même si tu as vu mon église un jour là, je suis quelque part en train de prêcher un jour là. Faut passer. Faut quitter ma page Facebook même. Je ne t'ai pas demandé de m'envoyer sujet de prière. Toi seulement là, je ne veux pas être ton pasteur. Toi seulement. Tu es un pasteur. Est-ce qu'un pasteur n'est pas comme ça? Toi seulement là, je ne veux pas être ton pasteur. Ouais. C'est comme ça. Donc les Ivoiriens, je suis venu vous dire, si vous attendez Dieu, vous attendez Jésus-Christ, ou bien Mahomet, ou bien je ne sais pas qui, en tout cas, on n'a qu'à l'attendre. On va l'attendre ensemble. Ils vont bien vous montrer ce que vous n'avez jamais vu de vos yeux. Ils ont commencé à distribuer des machettes. Ils envoient des conteneurs de fusils à l'ouest. Ça lance même des messages dans certaines mosquées déjà. Il y a des gens qui sont bêtes, ils sont cons. Ils pensent que s'ils vont tuer leurs frères ivoiriens, ils ont sauvé l'islam. Ils ont sauvé nos frères du Nord. Soro n'est pas du Nord. Hein? Tous les frères du Nord qui sont en prison là, ce n'est pas des frères du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire, ça a fait du Nord, ça a fait du Sud? Est-ce que ça a fait des musulmans, ça a fait des chrétiens? Non. Les gens sont en train de mentir, d'endormir le cerveau de certaines personnes. Et comme ils sont bêtes, et la plupart sont des étrangers. Non. Prenez machette, allez-y les tuer. Sinon, si Alassane n'est pas président, nous on est foutus. Et puis ils s'en vont. Parce qu'ils sont bêtes. Mais dans vos villages là, j'ai dit, oh, village là, c'est pas grand. On se connaît. Il y a Mossi Kro, il y a Djula Kro, il y a tout ça, tous les petits crocros sont dans le village. Vous savez qui a envoyé marcher, qui est venu tuer vos enfants. Mais levez-vous, brûlez toutes les maisons là, puis prenez machette aussi, chassez-les de là-bas. Vous êtes là, c'est vous qui êtes les plus gentils de la terre et c'est vous qui mourrez. Et après, c'est sur nos messagers, vous venez laisser les messages. Nous, on fait quoi? On fait quoi? Alors, quand vous envoyez un conteneur de fusil, quoi? Ou bien un conteneur de couteau? Ou bien on a qu'à s'envoler et puis on va aller frayer pour vous et puis on revient. Tout ce qu'on fait pour vous là, vous ne savez pas qu'on a déjà pris assez de risques pour vous.
Je voulais vous dire ça pour que ça rentre dans vos yokoli là. C'est quoi? Les peureux comme ça là. C'est surtout les bêtés d'Iguaté là même là. Mais je ne comprends pas, on dit qu'ils sont les maquettés des bêtés dans les villages. Excusez-moi, je vais bien m'asseoir. Quand je réfléchis, j'ai tous les boulons de mon cerveau, je ne comprends pas. Tu vois un jeune bêté, des petits bâtés, il est sec. Tu vois les abdos là, brac, brac, brac. Tu le vois dans le maquis. Je suis un bêté. Tu as fait quoi? Donc maintenant toi tu rentres en brousse. Tu rentres en brousse. Donc tu es Digba là, ça sert à quoi? Amourou. C'est tout quoi? Donc toi tu es à Digba juste pour sauter dans le lit quoi. Je comprends pourquoi quand vous dansez là. Des fois, vous faites patak patak patak, puis vous terminez, vous faites bouc, patak 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 patak, bouc, et patak patak patak, bouc. Tout ce que ça veut faire, c'est jeu de rein. Jeu de rein, hein, Digba. Ouais, je suis à Digba, jeu de rein. Mougou fait enfant seulement. On vous découpe, vous rentrez en bouc, vous êtes devenu abouti. Rap palmis. Hein? Même bis, même coupa comme vous, d'Abrus. En brousse. Pendant ce temps, eux-mêmes, les machettes sont couchées là-bas chez eux. Vous êtes devenus des rats palmis, des agoutis de la forêt. Alors maintenant, si vous faites ça, on va vous nommer agouti. Ouais. Dans ces chemins de brousse, vous connaissez. L'affaire là est grave. Hein. Bouche. Bouche. On ne m'appelle pas sur mon téléphone quand je communique. On ne m'appelle pas quand je suis en direct. La personne qui a essayé, je te bloque. Ouais. N'importe quoi. Je suis dégoûté. Ça dit, mon direct là, je devrais mettre le titre dégoûté. Je suis dégoûté. Mais ce qui me fait mal, c'est que mon WhatsApp est rempli. Mon messenger, même pendant que je suis en direct là, mon WhatsApp est rempli. Mon messenger est rempli. On dit là, il y a d'autres qui m'envoient photo de transfert d'argent de KKB. On dirait que KKB, son argent là, il va patailler à moi. Oui, voici le virement qu'ils ont fait à KKB. C'était en 2000 et truc. On lui a donné ceci, cela. Il a fait retrait. Ça me fait quoi? Il va patailler à moi. Quand tu as fini de me montrer ce qu'ils ont donné à KKB là, il y a pour moi dedans. Ça va changer quoi? Non, en 2012, ils ont fait ça à Gbagbo. Et puis après, on est en 2020. Non, selon la même, il dit ça même, mais il avait dit ça. Et après, on est en 2020. Côte d'Ivoire, pauvre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, ils ont découpé des gens encore, je vais dire, un nom bizarre de village, Ayo Katakayo. Ils ont découpé des gens. Tous les villageois ont fui, ils sont entrés en brousse. Yeah. C'est dans ça qu'on va rester. C'est dans ça qu'on va rester. À un mois et quelques d'élections, là, on vous dit marchez, on ne vous voit pas. Barrez vos villages. L'entrée et les sorties, zéro. On vous dit ça, zéro. On vous donne telle révélation, zéro. On vous donne telle explication, zéro. Chaque soir, vous êtes dans les maquis. Maquis est plus important que église et mosquée chez vous. Jusqu'à il y a boîte de nuit ambulante maintenant en Côte d'Ivoire. Il y a un cas qui fait boîte de nuit, se promène et puis les gens mougou dansent et puis boivent. Tout ce que vous savez faire, c'est ça. Vous-même là,
Vous avez dit Alassane, Alassane, Ado, Pisansi, Ado, A Pisansi, A Pisansi, A Pisansi. Vous l'avez soulevé. Vous l'avez placé. Ado, Pisansi, on va réussir avec toi. On va évoluer. 5 ans, il ne vous a pas donné. 10 ans, il ne vous a pas donné. C'est vous-même qui êtes là encore. Non, on ne veut plus d'Ado. On ne veut plus d'Ado. Ado, là, c'est fini. Mais pendant que vous dites ça, c'est dans vos bouches, vos narines, vous parlez. Lui dit, hey, vous voulez, oh, vous ne voulez pas. Oh. Moi, Ado. Elle fait sa bouche, puis ses yeux. Oh. Moi, Ado, vous m'avez mis là. Et réchir la bien. 3e mandat, est supposé. Je vais faire 4e, je vais faire 5e, je vais faire 6e. Tant que je n'ai pas gars. Vous êtes là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire. Toi, tu n'as jamais fait 3e mandat. Toi, tu n'as pas fait. Yeah. Et puis. Il ne va pas faire, puis vous rentrez en Bruce. Oh! Le gars, il vous a sondé, pesé, tout. Lui, il dit, c'est bouclé, puis c'est calé. Ouais. Mais, cher, il y a trop de pays au monde. Hein. Le pays du monde, là, c'est beaucoup, hein? Avec ma nationalité française, là, il peut aller partout. Si c'est. Si c'est pour voir des peaux africaines, il y a trop de pays. Trop de pays. C'est parce que, je vais vous dire un truc, ça vous fait mal. Il y a Haïti seulement, Haïti. On va dire c'est une île. Il y a nos frères noirs là-bas. Vous croyez que quoi? Les Haïtiennes sont jolies. Donc un Ivoirien qui est en France, qui a nationalité, il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire là. Si c'est joli go là, il peut aller dans n'importe quel pays. Il y a femme là-bas. Il y a manger là-bas. Il y a l'atmosphère africaine là. Vous croyez que c'est Côte d'Ivoire ce qui existe sur la terre? Oh, toi, il faut venir au pays. Il ne faut pas venir au pays. Qu'est-ce que c'est genre à foutre même? Depuis que je suis pas en Côte d'Ivoire là, je ne vis pas. Rien à mon teint. Quand je vais à Côte d'Ivoire, mais il est noisi. Faut venir, tu vas voir. Faut venir. Viens, tu vas voir. Attends, tu me viens. Si tu as venu, si tu as. On dirait qu'il peut payer billet d'avion de quelqu'un. Quand il faut venir là, il faut mettre billet d'avion derrière. Tu mets billet d'avion première classe. Quand il dit faut venir, viens au pays. Tu mets, quand tu as fini, tu envoies billet d'avion première classe. Et puis tu vas me voir. Comme c'est toi qui invites les gens dans le pays, tu as là pour payer des billets d'avion. Il faut payer et venir. Mais ben, ce n'est pas gratuit. Hein. Non, il faut venir, tes garçons, il faut venir au pays. Toi-même, tes garçons, il faut avoir visa pour venir ici. Faut pas passer au Maroc. Hein. Faut pas aller prendre pirogue, pardon. On va passer par la mer. Bah, tu vas mourir. C'est pas bon. Tes garçons, toi petit, tu n'as rien à manger là. T'es arrière, t'as tellement garba sec. Faut venir au pays. Bah, tu comptes sur ta drogue là. Pardon, faut partir. Faut prendre visa. Viens, je t'attends. My God! Wow! Oh my God! Oh my God! Yeah. Faut venir, viens au pays. Tu es garçon, non? T'as tes garçons, c'est ce que tu fais là. Viens au pays. Mon frère, envoie-moi un billet d'avion première classe. Je vais venir. Il n'y a pas de souci. Après, moi je peux aller partout, hein. Dans n'importe quel pays. Je viens de changer mon passeport même. Parce que l'autre là était rempli. Il y avait trop de cachets dedans. Donc je viens même de changer le passeport. Donc l'autre là, il est propre, il est nouveau. J'ai besoin de remplir ça. Va en Martinique, il y a la belle vie. Va en Haïti, il y a la belle vie. Va au Canada, va aux États-Unis. Va au Togo, va au Bénin, va au... Même au Mali, même là. Et les filles sénégalaises et puis maliennes, elles dansent bien. Ça, c'est au Sénégal, ça. Vous croyez que c'est Côte d'Ivoire seulement là? C'est là-bas seulement il y a soleil. Quand tu veux soleil, tu peux avoir soleil partout.
Non, viens au pays, viens au pays. On vous a mis des faux lampadaires, éclairés. C'est quoi qui est éclairé là? Des goudrons biométriques là. Vous croyez que vous êtes au paradis? Faut venir. Même le plus petit village de la France ici là est plus développé que ton Abidjan. Le plus petit des villages de la France, la campagne même de la France, est plus développé que ton Abidjan. Ouais, faut venir là-bas. À toi, arranger des coins ici. Ici, là, il y a goudron. Ici, là, il y a autoroute. Quoi, mamia, oh. Mamia. Ils sont jamais sortis de leur brousse. Ils pensent qu'ils sont au paradis. Faut venir. Mon frère, ici, là, il y a cimetière, il y a tout ici. Il y a tout. Les cimetières ici, là, c'est cimetière 4 étoiles, 5 étoiles. Si elle dit, elle reste ici, là, jusqu'à Raka, je vais mourir ici, et puis on va m'enterrer dans le cimetière 80 étoiles. On va m'enterrer dedans. Toi, tu n'auras jamais ça dans ta vie. Avec une cérémonie majestueuse. Ce n'est pas les gens qui veulent boire Bangui Koutoukou et puis on va mettre dans un petit trou sale. Il y en a ici. Cimetière 80 étoiles. Je vais rester ici, je n'ai pas envie de bouger, je ne bouge pas. Je vais voyager, on dit là, j'ai envie d'aller là, je vais aller en Algérie, ma mère, on va dire, je vais d'aventurer. J'ai juste à prendre mon passeport et puis me lève, ma mère. Faut venir au pays. Bande d'étrangers, on mangeait des cabateaux couchés pourris, cabateaux moisis jusqu'à Draman Alassane Ouattara les a ouvert la porte, ils sont rentrés à Abidjan, ils pensent qu'ils sont au paradis. Hein, Abidjan, à Cabo, hein? Yeah, wallahi billahi. Ke ikakura ni yewa. Ah! Ke wallahi ikagudro ni yewa. Wo! Mono be ni ye. Otolutu. Otolutu loa. Ye. E wallahi drama ni kafisa aka otolutu ke. Otolutu. Wo! Bande de paysans. Bande de paysans bêtes. Des sales qui se lavaient pas dans leur vie. Ils sont allés trouver savon à Bigard. C'est eux qui viennent ouvrir leur bouche pour insulter les gens. Oh, vraiment. Des sales. Il n'y a même pas savon. Il faut un mois, ils se lavent pas. Des tueurs de cabri. Ils sont arrivés à Bigard. Ils ont eu l'eau, ils ont eu le savon, il n'y a pas l'eau chez eux. Ils ont bu l'eau de Maribo sale jusqu'à... ils sont arrivés à Abidjan. Wallahi, Abidjan, yeah! Abidjan qui est kind. Wallahi, ni drama ni manteau. Amte ce kato Abidjan de. Amena besheta, ameta moro faka, ame obetu faka. Et puis ameto Abidjan. Et vous là qui venez insulter les gens. Nous, on a grandi sous les lumières de Oufoué Boyine déjà pour commencer. On a mangé avec les petits blancs déjà quand on était enfant. On était enfant de cœur avec les petites blanches. On avait des petites copines dedans. On était des enfants de cœur. Des enfants de cœur avec des petites blanches. On a fait baptême. Première communion avec des petites blanches. Ah, on était tout le temps au quartier millionnaire. Et puis, voilà quoi. On a connu la belle vie. Hein. On déjeunait à l'hôtel président. On faisait ce qu'on voulait, vous voyez. Et puis voilà. On a connu le bonheur depuis l'enfance. Hein. Oufoué nous a donné le bonheur. Non. Nous, ce n'était pas les goudrons biodégradables. On appelle ça goudron éternel. Ça est là encore. Ça est là. Goudron éternel, survivant. Ouais. Vous sortez de vos brousses bizarres en vous-mêmes. Vous mangez caca de bœuf, de mouton dans les camions. Vous êtes caché dedans. Le mouton pisse sur vous, le bœuf chie sur vous, vous sentez mauvais.
hein, dans le coffre de voiture. On vous dépose à Abidjan. Vous croyez que vous êtes au paradis. On vous donne faux extrait de naissance, fausse carte dentaire. On vous dit, ouais, il faut défendre Ado. Si tu as défendu Ado, là, tu vas voir, Abidjan, c'est la capitale, c'est le paradis. Donc, tu prends machette, tu vas tuer les gens, tu insultes les gens sur Facebook, avec ton téléphone sale, sale, pourri de chinois, là. Ton téléphone à 15 000 francs, là. Hein? Ton petit téléphone pourri, là. Téléphone, un seul téléphone, il y a 4 puces dedans. Ça, c'est téléphone. Téléphone, il y a 4 puces. On peut mettre 50 puces dans un téléphone. Si ce n'est pas chinois qui fait ça. Gros téléphone pourri comme ça. Téléphone là, gros et puis il est léger comme ça. Tu sens même qu'il n'y a rien dedans. Et vous prenez ça. Toi là, tu es un bandit con. Si tu veux, il faut venir au pays ici. C'est ton pays. C'est ton pays. Et puis toi, tu as dit à quelqu'un dans la cage. Toi, c'est ton pays. Tu as laissé ton pays là-bas pour venir t'asseoir. Là. C'est ton pays. Faut venir. Faut venir ici. Toi, Ado là, il va mourir. Ouais. Moi, mais jeune et puis pris pour ça. Ouais. Je suis le seul pasteur qui prie pour la mort d'Ado. Je suis méchant. Hein. Ouais. C'est mon Goliath. Il est égorgé. Il va gare. Avec deux fois, ça l'a loupé. On dit Ado est tombé là. Boum, il s'est levé. On dit Ado est tombé encore. Boum. Il s'est élevé. Il n'a qu'à tomber sur moi, il s'est élevé. Un jour, il va tomber, il ne va plus s'élever. Ouais. C'est là que tu vas comprendre. Tu as fui. Toi qui es là à laisser les commentaires, il faut venir au pays, il faut laisser venir au pays là. Tu as fraya, tu as la brousse, toi tu as sauté la main même. Voilà. Bon, c'est samedi. Je vais terminer. Les gens qui attendent direct des prières, là. Je devais faire direct des prières hier, j'ai fait exprès, je n'ai pas fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Je vais vous montrer les éléments que j'ai déjà commencé à acheter. J'ai déjà dépensé plus de 2000 euros déjà pour la chaîne de télé. Il y a 5 personnes seulement qui ont intervenu. Et puis moi-même, j'ai dépensé, pas, je vais faire mon truc. On est là, en fait, direct, on prie. Hey, papa, quand tu as prié pour moi, l'eau là est devenue rouge. Papa, quand tu as prié pour moi là, l'eau là a explosé. Papa, quand tu as prié pour moi là, il y a des boules qui sont sorties de mon ventre. Ils sont tous tombés dans les toilettes. Hey, papa, quand tu as prié pour moi là, j'avais la chair de poule comme ça, j'ai tremblé, on dirait magouille. Mais on lance des appels. On dit à la chaîne de télé, soutenez, etc. On ne vous voit pas. La diaspora aussi, on est là matin, midi, soir, on se fait insulter pour vous. Il y a des réfugiés, des immigrés ici, ils n'ont même pas papier. On est là, on lutte pour vous. Tout ce que ça veut faire, c'est d'aller danser dans maquis, porter des mèches, des faux cheveux, des talons, hauteur 45. Et puis, il y a des gens qui sont assis matin, midi, soir, en train de lutter pour vous. Après, vous allez rentrer au pays pour faire votre... On vous dit, aidez les gens, soutenez les gens, on ne vous voit pas. Il y a les enfants de cœur, on ne vous voit pas. On dit, ils ont blessé Marina, aidez-la, on ne vous voit pas. On dit, on veut faire chaîne de télé, on ne vous voit pas. Et puis, c'est vous, là, vous venez m'asseoir 4 fois par semaine. Et puis, vous apportez, oh, le Saint-Esprit, oh, Seigneur, délivre-les, Seigneur, libère-les. Oh, Seigneur, oh, je ressens quelque chose. Il y a une personne, vous croyez que quoi même? Et nous, on n'a pas de vie, quoi. Nous, on n'a pas de vie. Moi, je me repose. Demain, là, je fais direct de prière. Si je veux. Si j'ai envie. Voilà. Sinon, on va attendre encore. On va attendre une semaine, deux semaines. Quand je vais bien vous manquer, là. Quand mes prières vont bien vous manquer. Que vous allez comprendre que le monsieur qui s'assoit, là. Là, je viens d'envoyer quelqu'un acheter un téléphone. Je viens d'envoyer quelqu'un acheter un téléphone. Attends, il me dégage. Pas les gens, ils pensent que j'ai. Vous voyez, non? Vous voyez, on a commencé à acheter les éléments. Hein? Parce que quand on parle, les gens pensent qu'on passe pour rien. Vous voyez?
Ça, c'est une petite caméra. La grande arrive. Vous voyez tout ça? Hein? Sans oublier la grande caméra qui vaut 1000 et quelques euros. Sans oublier le mélangeur. Sans oublier le fond vert. Le fond vert est acheté à la maison. Vous voyez tout ça là? On a commencé pour la chaîne de télé. Je viens d'envoyer quelqu'un acheter un téléphone qui va remplacer une caméra. Donc, on vous dit, aidez, on va vous aider. On ne vous voit pas. Et puis, on a assis matin, midi, soir pour vous apporter. Vous apportez quoi? Donc, ça, c'est mon direct de Genzeni. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à même sortir de ma page. Mais moi-même, je préfère rester avec deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui sont sérieux, sincères et qui croient à mon notion, qui me suivent, qui sont propres, que de marcher avec une foule d'hypocrites et de menteurs. Voilà. Voilà ça. Vous croyez que quand on parle à ça, ça a été acheté. Voilà. Ça a été acheté. Un trépied. Ça, c'est un peu seulement, je vous montre. Sans compter déjà ce qui a été déjà livré de l'autre côté. Hein? Le mélangeur, lui, se coûte, je ne sais même pas combien. Et il y a plein d'éléments, de trucs qu'on doit acheter. Je viens d'envoyer acheter un téléphone. Le téléphone, lui, va servir de. Il va compléter les caméras. Et tout ça, c'est l'argent. Donc, on a assis, on dépense pour vous, on s'assoit, on prie, on parle, on défend le pays, on vient aussi, on prie pour vous, on fait tout pour vous, vous êtes assis, vous mangez bien, vous dormez bien, vous dansez bien, vous baisez bien, vous faites ce que vous voulez, et puis c'est d'autres personnes qui sont vos esclaves, et puis ils font tout pour vous. Moi, c'est pas écrit sur mon front con. Hein. Voilà, j'ai fini mon direct. Celui qui n'est pas content, il a qu'à sortir de ma page. J'ai fini de parler. Au revoir.